Ouais. Moi, j'en ai marre. Bon, ça fuit, hein, ça fuit quelque part. Et ça, hop, ça fuit. Tu vois. J'espère que vous allez bien. Fini le bandeau. Bonjour les lunettes avec un prisme. Donc, c'est des lunettes qui me dévient le regard. Donc là, je vois clair. Clair comme de l'eau de roche. Donc ça, c'est pas déconnant. On avait déjà ouvert ce cache-là parce qu'il fuyait à mort au niveau de d'ici là. Et écoutez, ça fuit encore. Hein. Donc bon, on va nettoyer ça. Moi, je vais ressortir le cache. Et puis voilà, hein, pas trop le choix. Et après, on va changer les injecteurs. Il y en a un ou deux qui merdent et je sais pas c'est lesquels. Donc du coup, j'ai 8 injecteurs neufs qu'on m'a grassement donné. Et voilà, donc on va s'occuper de ça. Et puis j'espère que, en attendant l'arrêt de la fuite avec la pâte à joint, je vais m'occuper des injecteurs. Et après, si ça ne fuit plus et si elles tourneront, je pourrai remonter la face avant. Et on pourra faire le premier essai. Allez, c'est parti! J'ai été acheter de la pâte à joint. Pâte à joint. Pâte à joint. Là, il faut que je trouve un cutter afin d'ouvrir l'orifice de la pâte à joint. Mais je vais faire ça à la pince coupante parce que j'ai pas de cutter. Hein. Voilà. Bravo, Jojo. C'est dur. C'est dur de ouf. Wow. Oh. Il y a une technique particulière pour mettre de la pâte à joint ou là quand même hein. Putain, je savais pas que c'était aussi dur. Oh. Ok. Bon, écoute, on va faire la technique Z. Hein. Toujours que ça pète ces trucs-là, c'est incroyable. Ils peuvent pas faire des tubes renforcés, genre. Voilà, je vais pas en mettre trop non plus. Parce que il va y avoir le joint par-dessus, il faut que j'en mette sur le joint. Ah! Bon, j'ai remis la pâte à joint. Bon, je suis très nul en pâte à joint. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais je suis très 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 nul en pâte à joint. C'est-à-dire que je déteste faire ça, d'une. Et la pâte à joint me déteste. Donc comme ça, on est bon. Hein. Bon, espérons que ça aille et puis que... C'est le moment où tu galères de ouf. Ah, il me fait chier ce que t'as, putain. Allez, vas-y. Ça, c'est plus ou moins fait. J'ai fait le cache-culbuteur. Bon, c'était compliqué tout seul.
mais bon, j'ai plus ou moins réussi. Je vais m'attaquer aux injecteurs. Voilà, tout simplement. C'est relou aussi, hein. C'est relou. Franchement, c'est chiant de ouf. En fait, ce qui est chiant, c'est de monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter. C'est relou de ouf. Franchement, de ouf. Je peux tenter un coup de poker. Je peux. Si je lève pas toutes les vis, c'est compliqué, hein. Tu me crois que je me souviens plus? J'ai un vrai problème de mémoire. C'est celui-là. Attends, je vais voir de l'autre côté. Vas-y. Non. Super, baby, merci. Ouais, mais c'est tellement compliqué. Je te cache pas que c'est compliqué. Hein. Bon courage, c'est fort, mon bébé. Oh merde! T'as peur? Ouh! Voilà! Bon! Remontage! Bon, ce qui est cool, c'est qu'à la fin, tu connais tout par cœur. Hein. C'est bon. T'as dit quoi? C'est bon. J'ai pas pété pourtant. C'est... Ok, baby. Ah là là, j'y joue, hein, il est là. Bon, bah écoutez, on va remettre les bobines. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, attends. Tac. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai changé la bobine qui allait pas. Donc normalement, là, elle tourne sur C8. Moi, j'ai un problème de démarreur. Si j'enlève pas la cosse de démarreur, le démarreur reste enclenché. Ça donc c'est pas beau. Tu démarres, mon baby? Normalement, là, j'ai réglé le souci. Théoriquement, ça devrait tourner sur les 6. Enfin, sur les 8, pardon. Prêt? Ouais.
Bon bah mission accomplie, hein. C'est pas décollant. C'est pas décollant. Bon bah voilà, on verra bien. Merci bébé. Tu me laisses un peu travailler ? Oui, je te laisse travailler. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On va s'arrêter là, hein, pour aujourd'hui. Prochaine étape, mise en eau, radiateur, spal, face avant, et puis après on sera bon, hein. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore pour les personnes qui ont participé à la cagnotte. Bientôt, celui-là, il ira dans un autre véhicule. Je vous dis pas lequel, bien sûr. Hein. Dites-moi en commentaire, vous pensez il va aller dans quelle voiture. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore. Je le répète parce que voilà, mais merci encore aux personnes qui ont participé à la cagnotte. On est à plus de 6000 euros là. Donc c'est incroyable, on va pouvoir s'acheter un beau gros moteur pour la saison 2022. Et voilà, donc en tout cas merci beaucoup, abonnez-vous. Il y a beaucoup de soucis de cloche, désactivez-la, réactivez-la, abonnez-vous. Et je pense que c'est pas déconnant. Attends, coupe pas. Je coupe pas. Attends. Vas-y, sors ta bêtise. Il est pas trop sexy avec ses lunettes. Oh là là. Moi je trouve ça me grossit, bon je suis déjà gros hein, mais... Non, c'est ma barbichette, ça. Ah ouais, merci. Allez, des bisous.